Alors, comment ça va? Avant de commencer, je vous encourage à faire ça et à joindre notre communauté. Si vous n'êtes pas souscrit, faites-le s'il vous plaît, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous avoir. On va faire 1 million très rapidement, c'est avec beaucoup de plaisir. On y va. S'il vous plaît, laissez un commentaire à la fin. On ne voudrait pas que ce soit un show de Zach moins que ça, du one-man show, ça ne fait pas plaisir. J'apprends beaucoup de vous aussi, vous savez, vos commentaires intelligents, hein, tout ça. Ça fait du bien, ça pousse à réfléchir aussi, à pousser le bouchon un peu plus loin. Faites un commentaire, contribuons, essayons de réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Ouais. Alors, ça se passe où? Ça se passe en Finlande. En Finlande, un ministre finlandais vient de faire un commentaire choquant. Il a dit que l'une des raisons du réchauffement climatique, c'est que les femmes africaines font beaucoup trop d'enfants. On fait beaucoup trop d'enfants en Afrique et c'est inutile. Alors, la solution, c'est quoi d'après lui? Il faut donner des pilules d'avortement hein, aux Africaines. Oui, il a dit ça ouvertement. Donc, on ne se cache plus. On ne se cache plus du tout. On dit que le ministre finlandais de l'économie a démissionné vendredi, un peu plus d'une semaine après son entrée en fonction, sur fond des scandales le liant à l'idéologie néo-nazi. Voilà. Vous savez, le néo-nazi, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement dans les films, hein, quand on regarde des films, des gens qui font tout ça, n'est-ce pas? On pense que c'est... Non, c'est une vraie réalité que moi j'ai vécue personnellement en Allemagne. C'est une vraie réalité. Ce n'est pas de la blague. Il s'appelle Willem Ginula, du parti d'extrême droite finlandais. Il a démissionné au milieu d'une nouvelle fureur suite aux commentaires qu'il a fait au Parlement, où il a déclaré qu'une solution à la crise climatique était de donner plus d'avortements aux femmes africaines. Accorder plus d'avortements aux femmes africaines, et on a une solution à la crise climatique. C'est pas moi qui l'invente, vous pouvez aller vérifier, hein, vous savez. Tout ce que je dis ici, je vous demande de toujours aller jeter un coup d'œil. Je ne vais pas vous raconter de trucs. Et c'est important, jeter un coup d'œil, revenez faire un commentaire. C'est important de le faire. Il a appelé le concept les avortements climatiques. Ah non. Je ne sais pas pourquoi ça dérange d'avoir des enfants. On dit dans le compte rendu parlementaire officiel, sa question stipule. Dans les sociétés sous-développées d'Afrique, le nombre d'enfants peut être énorme. Et le problème s'aggrave encore à mesure que le changement climatique les pousse en raison de la famine, des maladies, aux conditions météorologiques extrêmes, à chercher une vie meilleure dans des zones avec des empreintes carbone encore plus importantes. En d'autres termes, le fait qu'en Afrique, on a beaucoup d'enfants, ça pousse un réchauffement climatique, la famine, ça pousse des conditions météorologiques extrêmes. C'est la raison pour laquelle vous, les Africains, vous quittez l'Afrique pour aller traverser, aller chez eux, pour chercher encore une vie dans un milieu où il y a une empreinte carbone encore plus importante. C'est choquant, les amis. Ça devrait vous énerver. Si ça ne vous énerve pas, je ne sais pas. Il faut être énervé. Donc, on accuse l'Afrique du réchauffement climatique, en d'autres termes, parce que vous faites beaucoup trop d'enfants. Ouais, il y a trop d'enfants. On voyait les pilules là, tout ça. Il n'a pas parlé d'Européens, il n'a pas parlé d'Asiatiques, il a dit des Africains. La solution, il faut donner aux femmes africaines un moyen de se débarrasser de tout ça. C'est choquant. Il a finalement démissionné le vendredi, déclarant « Pour la continuation du gouvernement et la réputation de la Finlande, je vois qu'il m'est impossible de continuer en tant que ministre de manière satisfaisante. » Ça se voit clairement que c'est un message qui ne vient pas de lui. C'est un message qui lui a été apporté. On lui a demandé de quitter hein, pour faire propre, pour pas que ça donne l'impression que la Finlande est toute comme ça. Sinon, si toi tu te permets de faire un truc comme ça et que les autres ne réagissent pas, que tu ne démissionnes pas, ça veut dire que tout le monde est accepté, d'accord par rapport à ça. Donc, Junila a démissionné vendredi, déclarant dans un communiqué « Pour la continuation du gouvernement et la réputation de la Finlande, je vois qu'il m'est impossible de continuer en tant que ministre de manière satisfaisante. » Donc, je peux continuer en tant que ministre, mais pas de manière satisfaisante. Parce que, bon, justement, on vient de me découvrir. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que c'était par erreur ou c'est comme ça qu'ils réfléchissent en général? On a simplement eu la chance de découvrir l'un parmi eux. Est-ce que le monsieur a sorti ce qu'il a sorti là par erreur? C'est seulement une histoire qui est venue de sa tête. Il a été maladroit? Ou bien beaucoup parmi eux réfléchissent comme ça? Parce que la question est simple, évidemment. Pour être représentant au gouvernement, tu dois avoir été élu quelque part. Pour être élu par des gens, tu dois avoir été... Ta mentalité ou vos mentalités doivent être similaires. N'est-ce pas ou comment? Oui, il faut que vos mentalités soient similaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens derrière lui qui réfléchissent comme lui, mais qu'on ne connaît pas. Évidemment, si on ne réagit pas en l'écartant, gentiment, poliment, ça donnera l'impression que tout le monde là-bas est comme ça. Mais on va rentrer un peu en arrière pour comprendre. Vous vous souvenez, il y a quelques jours ici, on vous a publié une vidéo. Ils ont dit que l'argent qu'ils envoient aux pays africains, ils ne les enverront plus. Les pays africains qui soutiennent la Russie. On n'enverra plus cet argent, l'argent sera envoyé en Ukraine. Oui, le gouvernement de droite a dit l'argent qu'on envoyait en Afrique pour aider les Africains dans leurs infrastructures, les investissements. Désormais, on n'enverra plus parce qu'ils soutiennent la Russie, on va envoyer ça en Ukraine. La question est très simple. Si c'était une question de soutenir la Russie, on n'enverrait pas l'argent immédiatement en Ukraine. On garderait l'argent quelque part pour voir à qui on peut envoyer. Ou peut-être si vous changez votre mentalité, on va vous renvoyer l'argent. Si on retire l'argent pour envoyer déjà ailleurs, c'est-à-dire qu'on a planifié, on cherchait un moyen d'avoir de l'argent pour envoyer ailleurs. Et souvenez-vous d'une autre vidéo, on a publié, il y a un monsieur là, un Américain de renseignement
renseignement et sécurité qui a dit que la Pologne était le pays le plus raciste d'Europe après l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes mentalités. Despise them, hate them. We know this because when the Russians went into Kiev, there were a lot of African students studying in Ukrainian universities who had to flee. And they went to the Polish border and they wouldn't be let in. The Poles were like, nah, you ain't coming in here. We don't let people that look like you in Poland. Blatantly racist. Donc, pourquoi on t'enverrait à toi si on pense que vous êtes beaucoup trop, faites beaucoup trop d'enfants, si on peut envoyer à quelqu'un qui est comme nous? C'est simple. Donc, l'argent a été envoyé pas parce que vous soutenez la Russie. L'argent a été envoyé parce qu'on ne vous aime pas, de toute façon. Bon, une raison de plus, puisque nous sommes au pouvoir en tant que parti droite de la République, on va retirer l'argent. Choquant. Ministre finlandais de l'économie démissionne. Pour avoir fait un commentaire aussi choquant. On accuse le carbon footprint aux Africains. Laissez-moi vous dire. On parle de réchauffement climatique. Cette histoire de réchauffement climatique ici, les Africains ont contribué seulement 2%. 98%, c'est eux. Et apparemment, ce n'est que 24 compagnies. 24 grandes entreprises, industries, produisent la grande majorité de l'émission des gaz. Ils connaissent ça. Donc, il suffit simplement d'aller fermer ces entreprises et c'est fini. Mais on veut vous incriminer, vous, vous disant que c'est vous, vous aussi, vous faites partie de cette histoire. Voilà pourquoi on a empêché beaucoup de pays à produire ce qu'ils ont à produire. L'Ouganda, récemment, on a mis beaucoup de pression parce qu'ils ont découvert la présence de pétrole dans un lieu bordant la République démocratique du Congo, à l'Ouganda. Ils ont voulu exporter ça. Au départ, l'Europe était d'accord. Ensuite, ils se sont assis en Parlement européen pour dire que l'Ouganda ne peut pas procéder avec son projet parce que ça détruirait la faune et la flore, les animaux. Les villageois perdraient leurs habitations et tout le bazar. Inimaginable. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les villageois ougandais? Vous ne pensez pas que les tuyaux là vont aider ces villageois à trouver quelques boulots, tout ça? En Ouganda et en Tanzanie, ces projets sont attendus et perçus comme une opportunité de financer le développement économique du pays. Mais vous vous inquiétez, on va chasser les villageois et les animaux. L'objectif est simple, on ne veut pas que vous développiez. Parce que bon, voilà, nous on s'est servi du même truc, des mêmes techniques, on a fait l'argent, on a industrialisé nos entreprises, nos pays sont bien. Maintenant que nous sommes industrialisés, vous, vous avez découvert le secret, on va vous empêcher de le faire. Parce qu'avec vous, ça crée le réchauffement climatique. Avec nous, ça n'a pas créé. Pour que finalement, on vienne vous dire, écoutez, on a une technologie ici qui vous permettra de développer vos pays sans nécessairement passer par les moyens traditionnels. Mais cette technologie ne fera pas de réchauffement climatique, mais elle ne sera pas gratos. Il faut payer, il faut venir acheter ça chez nous. C'est ça, la réalité. Une colonisation perpétuelle. On cherche des moyens, on vous donne ça. Quand vous comprenez ça, on change. On vous donne ça, vous comprenez ça, il change pour vous garder en bas. C'est une triste réalité. Ministre finlandais de l'économie démissionne. Une semaine après, évidemment, parce qu'on l'a rattrapé, on a dit voilà ce que tu as dit dans le passé. Les femmes africaines doivent arrêter de faire des enfants. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Faites-moi savoir ce que vous voulez. Ce que vous pensez, toujours un grand plaisir. Faites un commentaire. Ne partez pas sans faire un commentaire. C'est une école pour nous tous. God bless.